êtes là, il y a les flics. Vous faites quoi, les gars? Il y a les keufs. Où? À la station devant, là. Ferme ton véhicule. Retournez-y, non, il y en a un qui doit y retourner, histoire de montrer qu'on leur tourne autour. Ok, j'arrive. Passe par la droite. Où soit devant. Ah, pardon. Par là, là? Ouais, par là où t'es. Tu continues sur la route. Ah, mais il n'y a pas que des flics, il y a un camion aussi. Alors? Non, mais pas d'importance. Ils me disent de m'arrêter. Arrête-toi. Ils m'arrêtent? Oh, mais j'ai une cabane, je reviens vers vous. Ne spot pas, c'est tout ce que je te demande. Non. Je vais m'arrêter un peu en haut. Comme ça, qui met bien au visu, qui me regarde, vous pouvez y aller. Ah ouais, pardon. Bouge pas. Fais gaffe à ta droite, y'a peut-être un mec, Ricardo. Ricardo, il est mis sur le tête. Il me voit, je crois qu'ils vont monter en véhicule. Ricardo, y'a peut-être un mec qui est derrière toi. Allez-y, droite, là-bas. Monte en véhicule. Je vais être obligé de partir. Par. Ok. Ils montent dans le véhicule, ils vont sans doute partir. Je vais repasser vous prendre. Non, ils partent pas. Ils arrivent sur toi. Je donnerai ça sur essence, frère. Bon, je pense pas qu'ils vont me voir. Ouais, ils sont en train de te rush là. Hein? Ouais, il y en a un qui est en train de te rush. Je pense pas qu'il me voit. À pied? Ouais. Dans le coup, on fait quoi là? Bah, je les ramène vers vous, la Stas. Ouais, continue sur la route, reviens sur la route, tu sais, tu redescends. Y'a eu des sirènes ou pas? Non. Y'a eu une sommation de fête? Non. Non, si, oui. Oral? Ouais. C'est la Stas là. Ok, repasse. Ils sont toujours là. Repasse devant. Rochelle, ils sont toujours là. Je veux que tu repasses devant plusieurs fois, faut que tu les largues, vraiment. Ok. Allez-y. Je veux que ça engage le combat. Ok. On en laisse engager, je pense. Ça va engager. Cimetière, y'en a. Ouais, je sais, je l'ai envie. Il engage. Je suis dead. Il y a un casque médic. Vous pouvez engager, je suis dead. Combien encore? Ils étaient combien? Putain, toi aussi t'es dead, Alex? Non, je l'ai tué. Ah oui, pardon. Bien. Il y en a un autre sur zone. Ils étaient combien? Il était dans l'air. Deux ou trois. Il y en avait un qui était devant la station dans l'herbe. Voilà. Est-ce que tu l'as abattu, le mec qui était dans le cimetière? Ouais, il est mort. Ah ok, bah d'accord, parce que je cherchais depuis tout à l'heure en fait. Bah en fait, y'a plus de flic là, si je comprends si, bien. Si. Bon, y'a un hélico dessus, y'a un hélico dessus, messieurs. Ouais, c'est peut-être les médics. Ah non. C'est les médics ou pas? Je crois pas. Pas de soucis, ils étaient combien les flics sur zone? Beaucoup. J'étais combien sur zone? Putain. T'es mort? Ouais, je suis mort. Y'a un hélico, les gars. Faites-vous l'hélico. Y'a un mec sur la droite de la station service quand t'es derrière, normalement. Oh putain. Il est où? Pas vu. Il devait être pas loin de moi, mais. J'étais dans le garage, moi, devant, donc devant la station. Faites pas médic, hein, sinon on va prendre de la prison. Non. Faut qu'on soit le camp des gagnants. Tu respawn? Non, respawn. Hein? Respawn pas. Okay. Respawn pas. On attend que Samy fasse. Au niveau du camion, je crois qu'il y avait un mec, je suis pas sûr. Samy, t'es où là? Moi, j'ai dans le cimetière. Ok, fais gaffe. Quand tu regardes la station en face de face, il est à gauche, je crois. Il est à gauche au niveau des forêts, je suis pas sûr. Je vois un mec, mais je sais pas si c'est un civil ou bien si c'est un policier, mais je pense que je vais où, tirer. Où? Bah, sur zone. Dans le bâtiment ou pas?
Non, il est devant dans des fougères. Ok, Tue Blue, tout tire. le monde Tire, de toute tire. façon. C'est lui qui a dû me tuer. Tue tout le monde, de toute façon il faut que tu nous respawn. C'est lui. Bien joué. Bien joué. On a gagné? Ah non, ouais. L'hélico, il fait quoi, Samy? Il va battre l'hélico, tu vois. Tu vois. On On a requeste gagné médic là. du coup? Ouais, on requeste Bah, en médic. fait, ouais, mais il n'y a aucun médic en ligne. C'est ça qui est chiant. Wouah. Après, on peut aller en demande de grade civil. Ouais. Oh, il y en a un autre. Non? Et je vois. Ça fait quoi du coup? Ouais, pour l'instant, il l'a tué. Samy a tué. Ah, yes, Samy, bien joué. Yes. Il y en a encore un, je pense, non? Ouais. Je le vois. Tire avec quoi? Pistolet? Oh, je suis mort. Oh, merde. Tire avec quoi? Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. On a perdu les gars, mais on s'est fait pas mal de flics. Ouais, ça va. Donc, Moi, je m'en suis fait deux. respawn tous. Ok, Écoutez, les lui. gars. Non, pas Linkhaven. Georgetown. Oh, il doit y en avoir une à En plus, Georgetown. Bah c'est ouais, il bon, y en je a vais une, en mais acheter, j'en ai bon. pas Ouais, mais il y a besoin. une police aussi à Georgetown. Écoute, on va à l'infirmerie et comme ça fera un rencard avec la police, tranquille. Rencard. Bah, on a Premier rendez-vous avec eux rencard. alors. Notre premier rencard. Ça fait longtemps que j'ai un petit moment, tu sais. Ça fait un petit moment. Le vieux Premier vieillard. rencard. Ouais, c'est là, Ouais. d'accord. Ouvre ton Ouais. véhicule et donne-nous les clés, petit con. Vous avez déjà Pardon. les clés. Ouais, Bah grave. non, je peux pas. Désolé, je peux pas. Vous avez déjà les clés. Tu viens de me les donner, Non. sale chien. C'est pas vrai. Chienasse. Un qui a sauté là. Non, c'est juste que je me suis mis, j'ai changé de place. Bon, du coup, je suppose qu'il faut qu'on aille prendre des soins d'abord. On Ouais. va se faire Là, éclater. tu as... Go, 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 go! Tu prends la Il y gauche. a un Ouais. policier qui nous a repérés. Il y a un Arrête-toi là! hélico. Merci, t'es derrière? Oui! Ah ouais, c'était derrière. Arrête-toi, 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 arrête-toi! Arrête-toi! Ouvrez ce putain de véhicule! Tan, tan, Regardez, bande tan, de tan, cons! tan, Comment? tan, 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 tan! tan, Palabas! tan, Palabas! tan, 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 tan. tan. Qu'est-ce qu'il fait dans le véhicule? Ouais, je me soigne. Lui, Mais non, mais il a viens, pas le tu vas temps, en gros. 200%! Il a pas le temps, lui, hein. Ah, montez, montez! Quoi? Bah Non. non, non, c'est bon, c'est bon. Il faut payer pour les soins, quoi. J'ai même pas un thune sur moi. Oh C'est là combien? là. Merde. C'est 100 dollars. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je fais gagner des maîtres, hein. Je fais gagner des mètres. Il a trop de chance. C'est quoi ça, c'est un flic là? Hey! Ouais. Est-ce que les gars, je vais faire Ouais, tirer dessus. tire. Non. Attends que Attends quelqu'un juste d'autre soit là. que. Ouais. Ricardo. C'est bon, t'as fini tes courses. Tu tires sur moi? Cours! Enfin, non, pas cours, Chaud! mais. Oh, ils sont chauds! Oh, j'ai vu en live, 2 balles, t'es mort! T'es mort? Bah ouais, mais t'es con aussi. Stoppez-vous, stoppez-vous, stoppez-vous. De quoi stoppez-vous? Mais t'as rêvé? Mais t'es un ouf, toi, gros, il est en hélico. Bah ouais, Bah, ah putain, tu t'es peux aller l'autre! aussi vite que tu veux, il va te rattraper, hein. Oh, ce qu'il m'a mis! Oh gros, il t'a mis une balle, il t'a séché, 2 balles. 2 balles, il t'a mis. Putain, je suis choqué. Je suis choqué. Bah ça, c'était eux. Oui, c'était eux. Non? Combien c'était eux? Si, si. On va troll l'hélico, hein, tu m'en veux pas. Et sinon, on est cuit. Vu la vitesse du véhicule, je vous avais dit de prendre un truc plus rapide. Avec l'off-road, on avait une chance, mais là. Ça va être short, hein. Oh, ce qui me fait chier, c'est que l'hélico peut Faudrait que tirer dessus. je vous dépose en ville, les gars, je vous dépose. Bah ouais, c'est pour Préparez-vous ça à que je voulais que descendre, tu d'accord? t'arrêtes. Préparez-vous à descendre, attention.
le monde descend. Passez devant le véhicule, je repars. Courez, courez. Non, c'est bon. Tirez-vous, tirez-vous. Waouh. Cachez-vous, cachez-vous pour l'hélico. Normalement, ils vont me suivre. J'ai le véhicule à mon cul déjà. Il est tout niqué, mon véhicule, c'est la merde. Je peux te couvrir, gros, mais il faut que tu reviennes. Non, je reviens sur pas. Sur la route, faut que tu reviennes sur la route. T'es où? J'ai le flic juste à côté de moi. Je reviens pas, mon 4x4 il est tout niqué. Non, mais faut que tu reviennes sur la route. Avant okay, que tu j'ai sur la route reviens. Que tu nous as déposé. J'essaie de revenir. Parce que là, je suis sur le toit, donc si t'arrives avec la route, ok, tu peux niquer je reviens sur la route là où je t'ai déposé, ok? Il me shoot, hein? Il m'a smat, ces bâtards. Putain, je suis tout en orange. Ah, je suis à terre. Ah, j'y crois pas. Ah, ah j'en ai couché 3, 2. Oh putain. Il en reste un. De toute façon, avec Ricardo, là, on a deux, donc Ricardo, Ricardo monte, hein, reste pas en bas. Hein. Ouah, cette histoire, oh, j'ai réussi à enfumer deux, hein, j'ai fou, là. Je sais pas si t'as vu la scène, mais... Bah en fait, j'explique, j'étais sur le toit et je voyais des balles caler dans tous les sens, gros. Et l'hélico? Bah l'hélico, bah, j'y vois plus, là, en tout cas. Ouais, moi non plus. Putain mon gars. Les coups, il est là-bas plus loin. Action. Je suis en train de pleurer frère. Il m'a mis un truc. Pas drôle. Pas drôle. J'ai vu les deux balles arriver. S'ils sont pas cons, ils savent qu'on était plus que deux. Hein. Bah ouais, il y a l'hélico. Allonge-toi. J'ai spawné à merde, tu peux plus, j'ai spawné à Georgetown. Ah non mais ce qu'il m'a mis sur... Oh ah mais même moi il avait un snipe ou quoi? Ah je sais pas mais je suis choqué de ce qu'il m'a mis quoi. Non mais attends, sa balle elle c'est l'OM. C'est du 762, c'est du 762. C'est l'OM droit au but quoi. Ouais Ah oh, non tu me. Droit en Ligue 2 surtout le mec hein. Ah il me tire dessus, non il tire, c'est qui tire? Bah c'est sûrement eux qui tirent dessus. Ouais c'est le flic. Mais non mais je suis mort. J'en ai tué un. Ah bah t'as tué Django. Y'en a un autre. Allonge-toi. Ah c'était épique. Là je tirais parce que je parlais à Ricardo. Prépare-toi parce que ça risque d'arriver sur nous. J'ai trop mal au cul. Oh. je vais te montrer la rediff. Hein. Regarde, ils sont là-bas. Ah non, c'est pas... Ah, je veux voir ce je vais te montrer la rediff, gros. Hein. J'ai mis une balle en l'air, ça lui a mis un headshot. À qui? Au mec, là. Ah. Oh mec, j'ai mis une balle en l'air, ça l'a tué. Je suis en train de pleurer là, genre j'ai trop mal au cul. Putain, y'a pas de médic quoi. Je reviens les gars. On me respawn du coup. Moi en fait, hein, le truc qui me semble louche. C'est qu'il n'y a pas un policier qui vient nous voir là pour l'instant. Notre cadavre? Vas-y, je respawn à Georgetown. J'ai envie de tester un truc, mais je sens que je vais prendre cher si je le fais. T'as envie de faire quoi? Tu me vois? De sauter là? Ouais, j'ai envie de sauter sur le truc bleu là en dessous. Non. Pour cette connerie, mec. Vous voulez faire quoi là, la base? Là, à la base, on voulait juste venir pour se soigner. On se soigne. Les mecs dans Zamak, c'est déjà les mecs de tout à l'heure qui étaient dans le
dans le véhicule je sais plus le nom du véhicule. What the fuck? Hop. Qui a tiré? C'est pas nous. J'ai sauté hein. Et à part avoir des petits dégâts à la jambe, j'ai même pas perdu de vie. Tu prends des balles. Tu prends des balles? Ouais, je prends des balles. Sérieux? Ah oui. T'es sûr que tu les prends? Ah oui, je suis sûr. Sur le toit blanc en face là. Ah je le vois. Bah tu le shoot hein. Tu l'as vu toi blanc? Non, attends j'essaie de me mettre sur ta pose. Bon comme mon perso il a pas envie de courir parce que soi disant j'ai pris un petit truc. Bon. Tiens de loin les gars. Tu le vois toi blanc? Tu vois toi blanc? Ouais, ah, je vois personne. Ah ouais. Le toit blanc, tu fais quoi? Non, non, non. Je l'ai eu. Une balle, allez hop, ça non, dégage. Non, un autre. Sur le bâtiment? Ouais, là-haut, j'ai dit à vous les gars. On le bute ou pas? Non. On l'enlève. Non? Ok. Oui, non, je sais pas. Ouais. Non, mais vous pouvez prendre le stuff. Mettez-vous dans le hangar pour prendre votre stuff qui est un peu caché quand même. Fais gaffe, il te regarde. Moi? Dans le camion. Ouais. Je crois qu'il a eu 4 sorties d'armes. Hein. Vous êtes prêts? 3. Quand tu veux. 2. 1. Ok, tu bouges plus, 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 t'es cerné, t'es cerné. Tu bouges plus, t'es cerné. Je peux, t'es cerné. Il lui, coupe tes communications. On te coupe tes communications. Je te coupe tes communications. Allez, pose ton arme à terre. Pose ton arme à terre. Les gars, l'hélicoptère là-dessus. L'hélicoptère là-dessus. Pose ton arme à terre. Ah, on se fait flasher. Par contre, j'ai plus les clés, moi. Les gars, tu montes dans la voiture. Tu montes dans la voiture. Oh, le gendarme. Oh, le gendarme. Tu me suis là. Tu me suis. Ouvrez le 4x4, s'il vous plaît. Il est ouvert. Tu montes dans le 4x4. Pourquoi est-ce que ça me fait des flashs? Ah, mais c'est moi qui fais des flashs. Non? Eh, peut-être tu descends. Ah, c'est Bob! Mais oui, c'est Bob! Non, mais ouais. Allez, monte. Allez, allez, monte le flic là, tu montes le flic. Allez, monte là, allez, monte là. Allez, on se casse. Ouais, tire à vous le. Avec le Zamak. Le dernier, faut que tu montes le Zamak. Zamak. Zamak, j'arrive. Désolé si je suis lent. On se tire, allez. On reprend la même route que tout à l'heure. Cagoule sur la tête, donc on reprend la même route que tout à l'heure. On reprend la même route. T'as plus de moyens de communication. Gauche. Ah, par contre, chaque fois que j'appuie sur Caps, t'as pas envie plutôt qu'on change de véhicule parce que ces serveurs-là, on va pas les suivre. Half Star, No Voice, On Star. Vous m'entendez une game quand je parle? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, on entend. Ok. Abuse-toi, gros, abuse-toi. What? En I. Le 4x4, il est posé en I. J'ai jamais vu ça. On lui a dit 2-3 fois. Donc. Ils explosent. Monsieur, vous êtes où? Vous êtes où les gars? On arrive. Ok, on voit. Faut y aller, l'hélico? Ouais. Tu prends la gauche. Ok. Ils sont derrière. Ils sont derrière. On est mort. De quoi? Ah non. De quoi? Oh la chatte! Arrête de faire des trucs comme ça, toi aussi. J'ai pas fait exprès. Il faut pas paraître suspect. Tu vois, si on commence à tracer, les gars, on paraît pas suspect. Bon, d'accord, on a un policier, on a deux mecs armés à l'arrière, mais bon. Avec des foulards? Avec des foulards, ouais. Bah, quoi, c'est l'été. Ah, t'es pas masqué. Tu me laisseras descendre, par contre, tu vois mon pseudo, tu vois. Tu me laisseras descendre pour que tu vois mon pseudo et que tu saches qui on est. Je vais te donner un masque et je le mets dans le véhicule, ok? Ça marche. Non, pour le montrer, pour le montrer quand même qu'en 5 minutes on l'a pris en otage et qu'on sait tout, tu vois. Il y a mieux quand même. Tu fais.
qu'il arrive quand même à ne pas faire confiance à son équipe, c'est chaud quand même. Ok les gars, on arrive à la station de service donc okay, ouais, t'inquiète, on y est. On y est. Vous faites la transaction avec lui, moi je couvre, ok. Ok, oublie pas de lui mettre un coup de tatane, il a tout oublié. Coup de tatane. Écoutez, l'agent, vous allez faire ça avec le monsieur au chapeau. Et moi je vais couvrir tout ça. Monsieur chapeau, c'est moi? Ouais. Non, c'est avec nous l'hélico. Ouais, c'est avec nous. Prenez le train d'otage, les gars, pense. Voilà. Allez. Descends, c'est bon, c'est nos amis, vous inquiétez pas. Descends. Tu prends l'autre en vas à l'ATM et tu prends les sous. Non, les gars, on se fait de descends. Deux secondes, faut le mec, il y a des panneaux quand même. Vas-y. Ouais, c'est lui, le haut-bas. Ouais, je fais dire. Toi, tu circules. Bouge. Tu t'éloignes. Merci le fleu, je sais pas qui c'est, pour l'instant, j'ai pas le temps de regarder. Ah, tu t'éloignes. Attendez, monsieur, je vous entends pas. Tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Allez, bouge. Les gars, je croyais que j'ai à poil. Il est fermé l'hélico, ouais, c'est bon. Non, il est pas fermé. Ok, je suis couvert. Merci de votre coopération. Samy, tu lui mets un coup de tatane? Ouais, je lui mets après, t'inquiète. Dis-lui qu'il a tout oublié. Ouais. Attends, j'attends qu'il fasse sa transaction. Tu me dis quand c'est bon, hein, Bob. Montez dans l'hélico, montez dans l'hélico. Vous laissez la Jeep. Vous laissez la Jeep. Ah, monsieur, mais tu pas donné. Ah monsieur, j'espère que tu es d'accord. Bob, t'as les clés? Ça reste pas entre nous. Hein. Ouais. Ça reste entre nous, bien sûr. Ça va, ça reste entre nous. Ça restera entre nous. C'est mon arme celle-là. Putain, c'est qui est dans la Jeep? C'est Richard. Oui. Richard? Ou c'est Bob? Ah bah alors. Donnez-moi l'argent. Ricardo? Donnez-moi l'argent, monsieur. Bob? Et après vous rendez dans la Jeep. T'es descendu? Donnez-moi. Bah posez-la par terre là-bas, au fond du mur. Allez-y, monsieur. Monte dans le coin là-bas. Non. C'est bon? Donnez l'argent, vous inquiétez pas, on vous rendra l'arme. On l'avait pas, mais non, on n'a pas l'arme, je lui ai dit. Ouais, non, mais c'est pas qu'on n'a pas l'arme, on n'a pas l'arme, ne dis pas de conneries. Elle doit être par terre là où on vous a pris. Et dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire. C'est pas grave, non, regardez. Je lui donne mon arme. Allez là-bas, c'est bon. Montre. Mais donnez l'argent et après on vous rendra votre arme, etc. On vous donnera tout. Ce que vous voulez, monsieur. Mais d'abord l'argent. Bon, je peux déjà ça. C'est bon? Tu transfères direct sur un compte et tu sécurises ça. Ouais, monsieur, c'est fait. Ah, pardon, je crois que je me suis trompé de personne. Mais c'est son arme, ça, le pistolet. Je crois que je l'ai donné à la personne avec le t-shirt violet. Hein. Dépêchez-vous, les gars. C'est son arme, ça. Les gars, chut. Il vous manque. Arrêtez de vous foutre de nous, il manque 900 000. On a dit 1 million 8. Non, mais on a déjà donné. Moi, ça fait 1 800 000. Assomme-le. Vous avez tout oublié. T'as tout oublié. C'est bien les gars. Et vous auriez dû sécuriser à la TM, mais bon. Bah moi je sécurise à la TM. Pas le temps, faut qu'on tire, on a pas le temps. Vas-y, on se casse. De l'autre côté frère. Putain. Allez hop, c'est bon, on tire. Allez, roule. Ah bah là il a rien oublié du tout. Eh, bougez-vous avant qu'il ramasse son arme. Il a pas d'arme. Si, j'ai mis la mienne. J'ai mis au sol, j'ai mis mon arme au sol. Je m'en bats là. C'est qui a son taser là? C'est moi. Non, c'est pas le taser qu'il voulait, c'est la Cyrux. Ah, d'accord. Tiens, pour voir votre chef Namir, si je me semble. Juste pour régler les choses, on n'a pas vraiment le chef. Hein. Votre chef, oui, non, d'accord, mais voilà, on vient voir Namir. Y a quelqu'un, les gars? Bonjour, monsieur. Coupez les gars, remontez le véhicule. Bonjour monsieur, je suis avec Samy. Reste là. Est-ce qu'on peut juste mettre le véhicule ici et nos hommes restent dedans pour éviter que tout le monde parle, etc. Bob, t'es là? Ça marche. On sera trois à la table. On sera 2 ou 3 et puis ouais. Là, ça va. On est arrivé, fais gaffe. Ouais, pas de problème. C'est à eux que je dois donner le ralouf. Non, t'es ouf. Déconne pas, non. Vas-y, descends du véhicule. Ok. Donc Namir est là. Très
très bien, j'aimerais m'entretenir avec mon collègue Samy et Namir, voilà. Ok. Et mettez-vous à la table. Bah, c'est vous Alex qui allez parler? Ouais. Moi je suis Alex. C'est ça, c'est moi. C'est ça. Bah, installez-vous à la table ici. Asseyez-vous sur la table. Ouais, tu peux t'asseoir carrément. Non, c'est pas il y a là sur les toits, les gars. Non, non, mais de toute façon, on a pas attiré, les gars, on a rien fait. Ouais, moi, je m'assois derrière. Asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous. Je galère. C'est, hein. C'est la touche U. Enfin, à côté d'entrée. Tu dois te mettre sur le banc et appuyer sur la touche U barré. Pourcentage. Ouais, mais j'y arrive pas, ça veut pas. À droite de M. Excusez-moi, monsieur, je vais devoir rester comme ça parce que j'ai mal au derrière, donc je vais devoir rester comme ça. Bon, moi je suis une victime. Ricardo, s'il te plaît, tu viens. Enchanté, messieurs. Enchanté. Bonjour, enchanté. Comment allez-vous? Bien et vous? Enchanté, bonjour, très, très bien et vous, très bien. Vous c'est je ah là, excusez-moi. Y'a pas de soucis. Je suis opérationnel à discuter. C'est au sujet du coup de notre projet. Voilà. Quel est votre projet avec vos amis? Je pense que j'aimerais que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Pas de soucis. On se connaît pas. Je me présente, je m'appelle Alex Buick. Je suis la main du roi, donc mon roi est ici présent, Samy Buick, c'est numéro, c'est le Cal 3, fils de Cal 2, le grand monarque. Je suis au milieu. Voilà. Je vais vous expliquer notre projet et notre histoire. En fait, l'histoire commence au 14e siècle, en l'an 1319. Le grand monarque Cal 2, qui avait reçu un pouvoir divin, une bénédiction de notre grand dieu Aker, était le monarque, le grand souverain du royaume de Kaladzar. Ce royaume-là, et en fait, c'est toute l'île de Tanoa, en fait, tout a été reconstruit sur son royaume. Ce qu'il s'est passé, c'est que ce grand roi Kal III avait trois frères, et ces trois frères, en fait, avaient été d'une extrême jalousie, et ont décidé d'attaquer notre grand monarque Kal III. Kal III s'est donc battu avec l'aide de Dieu et a tué ses trois frères. Il était d'accord. Il était très comment vous dire, très triste, puisque ses trois frères qui étaient autrefois bien aimés l'avaient trahi, et il se demandait pourquoi. Et en fait, il s'est rendu compte plus tard que le pouvoir que lui avait donné Aker, le grand divin, était une supercherie, et c'était avec un côté perfide. Il se servait de lui, donc il a décidé de se battre contre lui, et avec une telle rage qu'il a quand même réussi à blesser très gravement le dieu. Le dieu alors a usé de ses pouvoirs et a tué Kal III. Kal III est aujourd'hui enterré dans un tombeau sous le grand temple Maya, et en fait la bataille avait fait rage au grand mont Tanoa. Donc le volcan que nous connaissons aujourd'hui, en fait, est le terrain, et l'ancien terrain de bataille. Voilà, notre projet, d'accord, en fait, c'est que Aker, notre divin, et comment vous dire, c'était un homme, en fait, qui avait une substance divine. Cette substance divine était l'héroïne, en fait. Pour lui, c'était une substance divine. Alors vous allez me dire, oui, que c'était un procédé chimique. Je vous rappelle que c'est un dieu et qu'il avait le pouvoir de faire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr donc une religion. Nous venons récupérer le royaume d'Aker, donc contre l'état-major. Nous ne sommes pas contre vous, nous sommes contre l'état-major, puisque l'état-major a reconstruit sur le royaume de notre grand monarque, le père de monsieur Samy Buick, qui est ici présent. Voilà, comme vous pouvez comprendre, je pense, je veux suivre les traces de mon père, quoi. En reprenant. D'accord, alors je vais vous couper. Excusez-moi, il y a quelque chose que je comprends pas bien. Vous dites être contre le gouvernement actuel, mais pas
pas contre nous, si j'ai bien compris. Oui. C'est ça, en fait, on vient faire avec vous. Sachez que... Est-ce que vous êtes au courant de la situation actuelle de l'île? Oui, paraît que vous êtes en guerre. Cette île nous appartient. On est d'accord. Donc, dans un sens, vos terres nous appartiennent. Alors... Non, puisqu'en fait, cette île-là, en fait, cette île-là n'a jamais appartenu au grand monarque Cal III, puisqu'elle appartenait en fait aux frères. Elle était divisée en trois parties, donc aux trois frères de Cal III, donc elle ne nous appartient pas, cette île-là. C'est pour ça que nous n'avons aucun souci avec vous. Aujourd'hui, il me semble que c'est la substance divine, donc l'héroïne, est présente sur cette île. Qui vous a dit ça? En fait, j'ai entendu Dieu. Dieu me parle, en fait, puisque je suis un sénateur, en quelque sorte. Je suis un envoyé de Dieu. Et écoutez, je crois que vous vous trompez de Dieu, messieurs. Le seul véritable être supérieur est Allah. Et je peux vous prouver que votre Dieu n'est pas très compétent. Oh, les gars! Les gars, faut pas parler de religion avec eux, leur Dieu c'est Allah. Vous êtes con ou quoi? Ta gueule. Alors écoutez, nous pouvons nous entendre, puisque aujourd'hui dans le monde entier, pas que bien sûr sur Tanoa, puisque je pense que vous connaissez les îles d'Alclis, de Stratis. Je pense que les religions ne sont pas les mêmes, donc je ne vois pas aujourd'hui pourquoi cela poserait problème. Vous avez votre Dieu, votre religion, nous l'acceptons. Nous avons notre Dieu, nos religions, nos croyances, comme vous aussi. Acceptez-le. On peut vivre en harmonie avec des religions différentes, des pensées différentes. Nous ne sommes pas pour l'harmonie avec d'autres religions. Toutes autres religions sont des infidèles. Et le seul Dieu est le nôtre. Et Allah, et on se bat pour ce Dieu. Alors écoutez, vous avez le droit de vous battre pour votre Dieu. Hein. Je me bats aussi pour le mien, puisque je veux récupérer son royaume. Aujourd'hui, vous êtes présent sur l'île, nous ne sommes pas présents, donc... Le royaume, juste l'héroïne, juste l'héroïne. Il n'y a aucun conflit entre nous. Vous avez votre royaume, donc cette île-là, nous avons notre royaume à nous. Il n'y a aucun conflit entre nous. En fait, nous venons ici parce que vous détenez une substance, donc l'héroïne. Coupez-moi si je me trompe. Monsieur Namir, c'est ça? Monsieur Abad. Abad, d'accord. Monsieur Abad. Il me semble que vous contrôlez l'héroïne, c'est ça? C'est à peu près ça. D'accord. Donc en fait, nous, c'est une substance divine pour nous. J'ai une proposition à vous donner, à vous faire, en fait. Il y a une nouvelle substance qui devrait arriver sur l'île, importée du Mexique, qui est le coco mélangé au rhum qui donne un alcool de contrebande. Je voulais savoir si vous accepteriez d'échanger, donc de prendre cet alcool de contrebande contre l'héroïne ou pas. Vous laissez l'héroïne. Alors écoutez... Nous sommes entièrement ouverts à tout type de négociation. Est-ce que vous connaissez la date d'arrivée justement du processus de fabrication de cet alcool? Alors attendez, est-ce que vous êtes réglé? Je ne connais pas beaucoup en fait votre religion, j'aimerais bien que vous m'en appreniez un peu plus. Est-ce que vous avez les mêmes fuseaux horaires Basons-nous sur l'heure française. D'accord, l'heure française, en fait, cette substance de... Dites que les bateaux sont déjà partis. Courant semaine prochaine, peut-être le 11 juillet, plus probablement, les bateaux sont déjà en route, en fait. Mais comme c'est une substance de contrebande, vous imaginez bien que ce ne sont pas des paquebots référencés partout dans le monde entier qui circulent, mais des petits bateaux. J'imagine. Donc voilà, donc il devrait arriver courant semaine prochaine... voir peut-être une date plus précise vers le 11 juillet. S'il faut vraiment vous donner une date, je vous promets que moi, derrière, j'irai prier mon Dieu, j'irai prier votre Dieu s'il le faut, pour avoir plus d'informations
privé de cette substance. Mais cette substance devrait rapporter gros, et je peux vous le promettre. Hmm. C'est vrai que ça peut être intéressant. Et du coup, d'ici cette date, que comptez-vous faire? Parce que dans ces cas-là, cette date, nous sommes prêts à vous léguer l'héroïne. En contrepartie, vous nous fournissez le processus de fabrication de cet alcool. Bah, bien sûr. Mais écoutez, est-ce qu'on peut, avant, on peut, que voulez-vous faire? Bah, ce qu'on peut peut-être faire, je ne veux pas essayer de vous soudoyer ni quoi que ce soit, mais peut-être qu'en attendant que cet alcool n'arrive, on pourrait peut-être passer un marché, je sais pas, peut-être vous donner quelques millions, je ne sais pas. On peut s'arranger. Messieurs, je suis prêt à donner 5 millions cash à un ATM la tout même de suite chose. S'il le faut. La même chose. Et notre ami, si on arrive à 5 millions chacun, ça pourrait être pas trop mal. Effectivement, combien êtes-vous dans les votre groupe sur le banc? Les 3 sur le banc, là, 5 millions? Combien êtes-vous dans votre groupe? Alors, messieurs, pour l'instant, bah, vous voyez, nous sommes tous là dans le groupe. Les autres arrivent, encore une fois, par bateau, puisque c'est eux qui ramènent, malheureusement, on avait l'alcool. On n'avait plus assez de moyens, du coup, ils viennent. Donc, je compte 7 personnes. 6 personnes. Ah oui, 7 personnes, pardon, oui. 7 personnes. Si nous disions 2 millions par personne. 2 millions par personne. Écoutez, est-ce que j'ai le droit d'aller voir mes collègues pour leur parler, pour leur demander si... Merci beaucoup. Alex. Affirmatif. Je peux payer pour 3 personnes déjà. Donc les 3 personnes moi, de derrière... Moi, je peux payer pour 2. Je peux payer pour... Les 3 personnes de derrière, mais Alex, tu devras payer pour moi. Très bien, je paierai pour toi et je paierai pour Ricardo là-bas. Je pense que Victor, tu peux payer. Je paye pour moi. Je Très paye bien. Pour moi. Je vais voir l'autre groupe, je reviens, monsieur. D'accord. Donc, ils vont nous demander un peu d'argent. Bah, d'or. N'inquiétez pas, c'est normal. 7 personnes de millions, ça fait combien pour vous, on a ce qu'il faut. Ça fait donc, 14 millions. Mais vous savez que si on vous donne 5 bon, millions ça chacun, fait 14. Vous savez que si on vous donne 5 millions chacun, ça fait 15 millions. Enfin, nous trois là à table. On a la possibilité de donner 5 millions chacun. Au lieu enfin, de, 3, de donner 2 millions par personne, vous gagnerez déjà 1 million de plus. Vous m'avez l'air très riche alors. Et, oui. Alors, et que dites-vous de 20 millions en tout? Ah, ça serait chaud. 20 millions. Alors... Messieurs, si ça ferait 5 millions, ça ferait donc 1 million par personne, plus 5 millions pour toute personne assise à la table. Alors écoutez, dans ce cas-là, il faudrait qu'on vous paye 15 millions, qu'on vous donne 5 millions, les 3 personnes assises à la table ici présentes maintenant, et qu'on revienne, je pense, d'ici demain soir, après demain soir, pour donner le reste, et ça serait une parole d'honneur. De Dieu à Dieu. De toute façon, vous avez nos noms, donc si de Dieu à Dieu. Vous avez nos noms, donc si jamais on vous ment, vous pourrez vous occuper de nous. Vos noms, je connais uniquement Monsieur Bouic et le roi, Samy Bouic. Nous sommes tous Bouic, monsieur. Et il vient d'où votre nom? De France. De France. Circulation, oui. Monsieur. En fait, il n'y a pas un fast-food qui s'appelle Bouic en France? Non, je ne sais point. Par contre, j'ai de la famille qui tient Bouic Télécom. Donc, c'est pour ça, vous voyez, la ressemblance est flagrante. Et pourquoi vous appelez pas Cal 3 plutôt que Bouic? Parce que on m'appelle comme ça dans... Bon, on va dire, je vais dire comme ça, on m'appelle comme ça dans le milieu. Ah d'accord, bon bah ça m'intéresse. Mais pour toute personne, en dehors du milieu, j'ai envie de dire, c'est Samy Bouic. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, là-bas? Ah, il nous importune. Il a dû prendre un petit peu d'héroïne. Hein. Hmm. Monsieur Arnaldo, bon, récapitulons.
Vous souhaitez contrôler le monsieur terrain de l'héroïne. Monsieur derrière vous, est-ce que c'est un de vos hommes? Oui, c'est un de vos hommes. Il est en train de couvrir notre homme qui... Ne vous inquiétez pas, la ville est sécurisée. Très bien, très bien. Bon, récapitulons, je disais. Votre groupe souhaite prendre le contrôle de l'héroïne. Vous en avez besoin pour votre dieu, si j'ai bien compris. Et en contrepartie, vous êtes prêt à nous payer. Et par la suite, nous vous lèguerons totalement l'héroïne. Et en contrepartie, vous nous donnerez justement le processus de fabrication d'un nouvel alcool de contrebande. Qui, d'après vos informations, fait fureur. C'est bien ça? C'est ça. C'est bien ça. D'accord. Et de quoi est composé cet alcool? De coco, donc de noix de coco et de rhum. D'accord. Nous avons eu l'occasion d'en goûter quand nous avons fait notre voyage en Amérique. Et cet alcool est vraiment excellent. D'accord. Un seul verre suffit entre à vous nous, coucher. Monsieur. C'est ça, si vous voulez vous envoyer en l'air, mieux que je bois pas d'alcool. Nous ne buvons pas d'alcool. Non, mais vous peut-être pour pas les d'alcool. Personnes quoi, qui vous lâchent. Oh, les gars, la religion, ça pue pas d'alcool, les gars. Vous êtes... Oh là là. D'accord. On n'est pas censé savoir quelle religion. Très bien, très bien. Je vais discuter de ça avec mon prophète et je reviens à vous. D'accord. Bah, soucis, monsieur, il parle de Allah depuis tout à l'heure quand même, amis. Monsieur, est-ce que nous pouvons déjà aller chercher les 5 millions chacun ou pas? Attendez. D'accord, très bien. Bon alors les gars, Ricardo, tu sais venir s'il te plaît? Je fais une petite réunion pour ceux qui n'auraient peut-être pas entendu. Ricardo. Ouais. Alors en gros, nous allons payer 15 millions aujourd'hui, nous repasserons soit demain, soit après-demain soir. Pour donner 5 millions et avec un petit peu de chance, si les personnes sont d'accord avec notre projet, nous léguerons l'héroïne. Si nous avons l'héroïne, nous pourrons faire vraiment notre prophétie, nous pourrons l'accomplir. Car on était ça pour faire un RP, j'ai une idée. Chef, dites-moi, dans les textes, c'est dit si on peut la consommer ou pas. Ah, vous avez donc complètement le droit. Oui. Vous pourrez la consommer, par contre, celle que vous consommerez, vous la ferez vous-même. Ah, pas de problème, chef. Bah, j'ai pas envie. Car revenez, allez, c'est Samir, on était. On doit déjà payer. J'ai une idée pour payer. On peut faire un truc RP. On peut faire qu'on doit repartir pour aller chercher l'argent et on peut revenir en avion. Tu veux faire un truc RP et qu'après en avion. À l'avion. Et non mais casse les couilles. Vas-y. Je vais pas faire un truc RP. Vas-y, mais casse-toi. Va faire ton truc et donne ton argent. Moi je donne rien. T'es sérieux, Victor ? Non mais arrête de venir en avion, c'est clair. Tu veux, tu crois, tu faut pas que ah mais si tu veux tu viens en hélico gros mais mec, en avion carrément. Le mec pour un avion il est prêt à casser les couilles à toute la team. Ah mais en avion y a pas de problème, y a pas se cracher, mais c'est juste je sais pas carrément. En avion, on est ici, on va pas faire tout, on va pas faire tout le chemin pour revenir. En deux secondes. Bah alors, si tu veux, genre alors, on la fait. Au pire, fais genre que tu parles à la banque, ensuite on va à l'aéroport, on sort un avion et on fait genre que voilà. Ouais, et gros, tu crois que ces hommes. Tu fais dans ce cas-là, Victor? Tu crois que ces hommes ils vont pas nous faire l'argent en arrivant là-bas? Non, mais les gars, déjà Florent, ton idée elle tient pas la route. Parce que tu crois que les mecs ils vont pas nous suivre quand on va aller chercher. Vous pouvez reprendre place sur la table. Ah, ok. Qui nous suivent? Les gars, chut. Et en fait, Samy, tu sais, maintenant, ils sont là. Bien. Pour l'instant, les personnes au placé dans notre groupe sont d'accord avec ça. Cependant, dernière petite chose avant de conclure cet accord. Oui. Nous réservons un droit de rétroaction. Je n'ai pas vraiment le terme exact. Je vous explique. De rétorcation, peut-être. De rétorcation, voilà, quelque chose comme ça. Bref, si jamais
le laps de temps entre maintenant et le 11 juillet, fuseau horaire français, si jamais il y aurait un problème avec votre groupe sur cette île ou contre notre groupe, on pourrait annuler notre accord. Très bien, entendu. Très bien, mais... Ça me paraît logique. Donc nous, nos hommes seront, seront avertis pour pas qu'ils aient la gâchette trop facile. Mais il faut que ce soit de même de votre côté. Écoutez, je crois que pour l'instant, vous n'êtes pas vraiment en position de négocier. Nous, on est sur notre île, on est sur la sécurité ici. Si personne ne vient foutre la merde chez nous, je vois pas pourquoi on deviendrait violent non, ou quoi que ce soit d'autre. Juste une chose, je voulais pas vous offusquer si vous l'avez mal prise, ce n'était pas mon but. Mais juste si jamais on se croise sur l'île, sur une autre île, enfin sur l'île d'à côté, mais que je ne sais pas, malheureusement, on braque un de vos hommes sans le faire exprès, vous savez, on le... Pourquoi vous braquerez un de nos hommes ? Attendez, laissez-moi finir. On le relâchera directement, quoi. On ne veut pas de soucis avec vous. Il ne veut pas dire braquer, mais je peux dire arrêter si on l'arrête. Oui, voilà. Votre religion ne vous interdit pas de faire du mal à autrui ? Notre religion nous interdit tout mal à autrui. Le mot braquer était peut-être un peu trop fort. Ah en oui, fait, trop nous fort. Permettons, puisque nous sommes en collaboration avec l'entreprise Escodiam, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, j'ai entendu parler. Voilà, tous les matins avec mon roi ici présent, Samuel Buick, nous partons à la recherche d'éventuelles personnes qui ne payeraient pas leurs taxes à Escodiam, puisque nous avons un accord avec Escodiam. Et donc, si un jour, je pense, malencontreusement, nous tomberions sur l'un de vos hommes, ce que voulait dire ça, Monsieur Buick, c'est qu'on le relâcherait, bien sûr, et évidemment, tout de suite. D'accord. De toute façon, on touche pas à ce qui est pierre précieuse. D'accord. Très bien. Nous sommes des... Pas avoir de problème. Nous voulons être des sauveurs. Nous ne voulons pas être des mécréants qui assassinent librement et bien sûr sans aucune raison. Loin de nous cette idée. Oui, je me suis peut-être mal exprimé. Non, entendu. Mon mot était peut-être trop fort. Écoutez. D'accord. Et eh ben écoutez, si vos activités ne sont pas... sont uniquement la protection de Escodiam, du moins la vérification des impôts, si on peut appeler ça comme ça, on ne devrait pas avoir de soucis. On fait pas de diamants, on va pas là-bas, on reste dans notre coin, ici c'est notre... Par hasard, faites-vous du pétrole ? Pas du tout. Pas encore, mais on connaît très très bien ceux qui font du pétrole. C'est ça. Nous aussi nous connaissons, voilà, donc on devrait peut-être être amené à se croiser par le futur. Excusez-moi, je... Bah écoutez, je crois que vous avez été déjà au courant des règles mises en place sur l'île. Bien sûr. Très bien. Et bah écoutez, si celles-ci sont respectées, il n'y aura aucun problème. Eh ben, elles seront respectées. Donc bah, on vous remercie de nous avoir accueillis. Merci beaucoup messieurs, c'était un réel plaisir. Merci à vous de vous déplacer. HRP, on fait genre on serre la main, bon, même si on peut pas trop, mais bon. Donc on vous remercie. Et nous du coup on va vous laisser. On va aller voir les dieux. Hein, donc, pour je crois que vous avez oublié quelque chose messieurs. Ah oui. Mais oui, l'argent, vous inquiétez pas, on va faire venir un avion qui va vous porter l'argent, vous inquiétez pas. Nous ne pouvons pas transporter tant de cargaisons. Nous vous donnerons la position du traitement d'héroïne quand l'argent sera en sécurité. Pas de soucis. Bah, vous voyez, monsieur. Pas de soucis, l'avion devra présent Victor. Quelques heures. Entendu. Présent Victor et pilote, donc il va s'empresser d'aller chercher l'argent. De toute façon, grâce à l'héroïne, vous rentabiliserez vite cet investissement. Oui, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas pour ça, pour notre argent, monsieur. Ne vous inquiétez pas.
D'accord, et eh bien écoutez, on attend alors le paiement avec impatience. On vous souhaite une excellente journée. Merci, monsieur. Juste, messieurs, est-ce que vous aurez un numéro de téléphone pour que je puisse vous joindre quand vous arriverez, quand j'arriverai à l'aéroport? Ou est-ce que vous viendrez Contactez directement? Namir Abad. Je vais descendre de la table, Namir ma Abad. poule. D'accord. D'accord. Monsieur Kal, je peux avoir à nouveau votre casquette? J'ai perdu celle que vous m'aviez donnée. Écoutez, monsieur, ce qu'on peut peut-être faire, je vais vous la donner, hein. Mais ce qu'on peut peut-être faire, c'est en même temps qu'on vient vous apporter l'argent, peut-être vous donner un stock. Vous éloignez même pas. Le groupe, restez ici, c'est pas le moment de tout faire foi. Belle. Qu'est-ce que tu en penses, Namiel?